Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, format un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on est parti faire des courses avec Isaac. On est chez Walmart et là, on s'est dit que ce serait vraiment génial parce que l'été est arrivé de pouvoir remplir à nouveau la piscine avec plein de bouées gonflables géantes. On a fait ça l'année dernière. Si t'as pas encore vu la vidéo, on t'a mis ça dans le petit i. Vous irez voir ça, c'était très drôle. Mais puisque toutes les bouées se sont éclatées cette année qu'on a voulu les regonfler, on s'est dit que ce serait génial de refaire ça à nouveau pour vous. Et là, je suis déjà avec Isaac qui est en train de faire des achats. Alors, moi, je pense qu'on devrait faire donc une petite sélection. Ouais. Et après ça, ramener ça à la maison, les gonfler et s'amuser avec. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Très bonne idée. Bonne idée. Là, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On a déjà pris celle-là, mais ça, elle est trop lourde. Elle fonctionne pas. Lui, elle était, bon, c'était pas mal, je trouve. Ouais. Ça, on adore. C'est un truc vraiment trop drôle. Je l'ai mis sur Instagram et je vous ai posé la question si vous validez le jellyfish géant parce que moi, je trouve que c'est trop, trop drôle. Regardez, ça fait comme des tentacules qui peuvent descendre dans l'eau. Et je trouve surtout que elle... Elle a l'air heureuse. Elle a l'air trop heureuse. Donc, c'est clair que je le prends. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. On va prendre ça. Attends, non. Je vais quand même aller voir la réponse sur Instagram pour voir si vous validez aussi le choix. Ça, c'est une bonne idée. Pendant ce temps-là, on va continuer les petits achats, les petites courses. Après, on a lui avec sa crotte. Ça, on veut pas. Ça, par contre, le petit bataille de merde, ça a l'air très drôle. Lui, c'est clair qu'on le prend, non? Ah oui, je trouve ça très bien. Après, regarde le petit bébé avec la crotte. Non, elle avec l'ananas. Non plus. Hein. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, on va réfléchir. Et ça, c'est pour les enfants. C'est des petites bouillies pour les enfants. Regarde celui-là avec un palmier. C'est encore elle qui est heureuse, oui. Là. Moi, je trouve qu'on devrait la prendre, elle aussi, non? On va voir. On va faire une petite sélection. Et de l'autre côté, on a le flamant rose. C'est quoi? Le cygne doré. Pas mal aussi. Le petit bouet comme ça. Oh, ça, c'est quoi? Un giant peacock. Ah, ça, c'est juste aussi une bouille, OK? Très bien. J'aime bien quand tu dis bouille. Regardez. Moi, je trouve ça très drôle quand tu dis bouille, en fait, parce que c'est pas bouille, c'est boué. Mais je trouve ça très mignon avec ton petit accent, là. Oui, allez, on continue. Il y a un dinosaure qui est très, très grand qui crache l'eau ou un lama qui crache l'eau avec... C'est un lama licorne, en fait. Ouais. Je comprends pas. Mais ça, j'ai bien envie de voir si ça fonctionne. Hein. 1m93, c'est plus grand que moi. On prend ça pour essayer quand même, non? Ah oui? Allez, ok, non? Pourquoi pas. On va continuer. Ah, et ça peut-être pour Bobby. Est-ce que c'est une bonne idée pour Bobby? Est-ce que tu penses qu'on devrait prendre ça ou ici, le requin? Non, mais ça moi je trouve drôle, ça c'est mieux. Et ça pour Léo? Non, Léo est l'eau. Non, fais pas ça. Par contre, je trouve un truc pour toi. Non, ça fonctionne pas. Allez, regardez qu'est-ce que je viens de trouver, une petite sirène, mais ça c'est trop petit pour moi. Par contre, les palmes en sirène, je pourrais essayer, ça existe en ma taille? Je sais pas, mais non, on va forcer vraiment. Tes pieds à l'intérieur. Comme avec Centrion. Oh, regardez tout ça. Alors, j'ai trouvé plein de trucs. Mais cette-ci, on en a à la maison, donc on va pouvoir se faire une guerre avec du slime. Ah oui? On n'en aura pas besoin, mais c'était juste un petit souvenir. Mais regardez ça, trop bien pour faire des bulles. On va essayer. Voilà, avec parfait. Des réserves. OK, entre les deux, on a décidé, on va prendre, comme l'année dernière, le rose. Même s'il a éclaté, on lui redonne une seconde chance cette année. Parfait. Est-ce que ça a été validé? C'est quoi? Ah, c'est la madame qui, qui est contente, c'est ça? Hein? Ouais, alors la réponse... Ah, validé. Trop bien. On a fait le sondage sur Instagram et 83% ont voté. On va prendre ça. Allez, dans le panier. Et je pense qu'on va prendre la très grande licorne / lama aussi. J'ai trop hâte de voir comment ça fonctionne ce truc. Alors finalement, on a pris énormément de choses et on va tout déballer à la maison. Voilà, c'est ça? On va aller gonfler ça et vous allez découvrir ça avec nous. C'est quoi, Carl? Quoi? Essaye si tu dois améliorer ou pas. Bah attends, ça va trop là. Donne-lui une note, 1 à 10 dans les commentaires. Moi je dirais 5 et demi. C'est pas très généreux, hein. Oh, regardez, on a trouvé un truc pour Bobby. Ah, tu peux jongler. Est-ce que tu penses qu'il va aimer ça? Mais je sais pas, on va prendre une. Je vais les allumer tous. On est allé dans un autre supermarché et... Une autre destination parce qu'il nous manquait un élément essentiel pour pouvoir profiter de l'été.
Le ballon XXL, tu sais combien il fait? Non. Il fait comme 5 pieds. C'est juste un petit peu plus petit que toi. Parfait. Ça va bien, non? On le prend aussi. On est arrivé à la maison. Léo, il dort. Tu en peux plus, hein? Il fait tellement chaud. Et Bobby a vu son nouveau jouet. Est-ce que tu veux jouer avec ça? Oui? Alors, Bobby, assis. Et... waouh! Oh, le pauvre, il peut pas, mais ça s'enlève dans quelques jours. Tu aimes ça? Oui! Oh, le pauvre! Si vous vous demandez, c'est parce qu'il s'est fait castrer. Mais ça va bien aller parce que vendredi, il va enlever ses petits points. Il va être comme un œuf, comme un champion! Ah, Bobby? Oui! Oh là là! Oh là là! Oui! Voilà, et nous, on va sortir et... Bah avant ça, attends. Avant, on se fait une petite collation, j'ai super faim. On a des physalis, concombre, melon, un petit peu de fromage. Et après ça, on va pouvoir aller gonfler les jouets gonflables. Oh! Voilà, la petite collation est prête. Et toi, est-ce que t'es prêt? Ben oui. Toujours. C'est tout flou. Voilà. Alors, Bobby, tu veux leur montrer qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, tout est ici. Ça, c'est la machine pour gonfler et ça, c'est l'homme qui va le faire. Ouais, parce que l'année dernière, ça avait vraiment été galère. On avait un truc spécial qui était exprès pour gonfler les trucs gonflables et ça a été vraiment très, très long. Et là, cette année, on s'est équipé de ce truc et en principe, ça devrait être très rapide. On va se faire un petit fast forward et on espère que c'est prêt d'ici quoi? Une demi-heure? Max. Vous êtes prêts? C'est parti! Je sais pas si vous voyez, mais il y a du glitter ici. Et là, elle fonctionne pas vraiment, hein? Ça sent bien, faut être patient des fois. Ah oui, c'est ça. Waouh, il a terminé la licorne lama, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est trop drôle. C'est énorme. Et regardez, apparemment, ici en haut, il y a l'eau qui va sortir. On va essayer ça à la fin de la vidéo, c'est ça? Voilà! Génial! Alors là, je vais vous montrer la collection printemps-été. Hubi! La Fashion Week à Paris, c'est rien contre ça. Voilà! C'est la méduse. C'est trop drôle ce truc. Voilà. Mes yeux géants. Je pense qu'il est en train de gonfler son siège de toilette. C'est ça, hein? Oh oh, surprise, Carl! Touché, 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 touché. Alors, comme vous voyez, on a terminé et maintenant c'est à vous de donner une note ou de nous dire quel est votre préféré. Voilà. On commence avec les toilettes royales. Ça s'appelle Royal Flush. Ce sont des toilettes gonflables avec lesquelles tu peux jouer. Numéro 1. Numéro 2, les deux énormes ballons. Ouais, moi je préfère celle-là. Ah, il est plus beau. Yeah. Après la licorne slash llama slash pony, je sais pas quoi. Seconde. Ça c'est le vieux de l'année dernière. Ça c'est pour Bobby, son petit arc-en-ciel. Ouais, la piscine arc-en-ciel. Ça on adore, c'est la méduse. Elle est géniale. Le petit palmier. Manque juste le pina colada. C'est ça. L'arc-en-ciel. XXL. Génial. Moi j'aime bien lui là. Ouais, c'est pas mal beau. Je sais pas comment on l'appelle. Dites-nous ça en commentaire. C'est la bouée d'ange. La bouée en forme d'ange. Et pour la fin, le flamant rose. Vous connaissez?
Ça, c'est un classique. Et c'est le premier qui va dans l'eau. Après, waouh, la méduse. L'arc-en-ciel. Oh, c'est génial. L'ange. Ok, quoi d'autre? Oh! Les ballons. Ok. On met quand même le donut, non? Oui, le donut et aussi le popsicle. Bang! Et les toilettes. Et les mini-crottes. C'est l'étape finale. On va pouvoir brancher notre arrosoir dans le lama là ou dans la licorne, je sais pas trop. Est-ce que tu penses vraiment que ça va fonctionner? J'ai aucune idée. Je vais aller mettre ça en marche. Il va allumer l'eau et. Oui! Mais c'est trop bien, c'est génial. Waouh, trop bien pour l'été qui vient. mais je valide de ouf là. C'est trop bien. Alors j'espère que le vlog vous a plu. Nous on s'est vraiment énormément amusé. Regardez. La piscine est pleine de bouée. Maintenant il reste seulement à aller se baigner. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on vous fasse d'autres vidéos durant l'été dans la piscine avec les bouées gonflables. Et nous on vous souhaite de passer une super belle journée. Et on vous dit à très bientôt. Bisous! Ciao, ciao!